drop. Yo tout le monde, c'est Captain34, j'espère que vous allez bien et je vais très bien. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto, un mini tuto, pour vous expliquer comment télécharger la démo de FIFA 16, tout simplement le 7. Donc logiquement elle n'est pas disponible en France, en Belgique et en Suisse, donc aujourd'hui le 7, donc je fais cette vidéo le 7. Et donc il est 17h à peu près, je vais essayer de la sortir pour ce soir. Et donc en fait il va s'agir de vous créer un compte Nouvelle-Zélande tout simplement. Donc vous, comme vous pouvez le voir ici, je suis en train de le télécharger, hein, FIFA 16, du moins la démo. Donc il va falloir que vous, donc il ne faut pas que je fasse de bêtises. Donc changer d'utilisateur, je pense, voilà. Vous faites un nouvel utilisateur tout simplement. Vous faites créer un utilisateur. Vous acceptez les règlements et tout, hein, etc., etc. Vous faites suivant. J'avais fait pareil pour la démo de PES et ici c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, donc vous faites première visite sur PlayStation. Et il y a un truc important à faire, et dès que vous l'avez fait, ben, après vous êtes tranquille. Vous avez juste à vous créer une adresse email, ou alors si vous avez une adresse email qui vous sert à rien, ben, vous la prenez, tout simplement. Désolé pour l'attente, hein, du chargement, mais je n'y peux rien. Donc ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir de pouvoir tester ce jeu. Je vais lancer un live directement après, moi je le sens, parce que j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu. Bon. Allez les gars, on va se retrouver tout de suite les amis, dès que le chargement est terminé. Voilà les amis, c'est fini, donc j'ai dû quitter pour revenir, mais c'est pas grave. Donc après ici, très très important, c'est le point où vous ne devez pas vous tromper, sinon ben, vous devez tout recommencer. Ici vous devez mettre pas belge, pas suisse et pas français, mais vous devez tout simplement mettre Nouvelle-Zélande tout simplement. Donc je vais vous montrer ce qu'il est. Voilà, Nouvelle-Zélande tout simplement. Après ça va être en anglais, mais ça après vous pouvez le changer, hein. vous en foutez. Et donc English, ça on s'en fout. Voilà, la date d'anniversaire vous mettez n'importe quoi, hein, je vais vous dire, ça change pas grand chose, hein, ça change pas grand chose. Ici mettez quand même au-dessus de 18 ans plutôt. Next, après ça c'est juste comme ça. Après City, vous mettez n'importe quoi. Si vous voulez mettre une ville en Nouvelle-Zélande, vous pouvez, hein, y a pas de souci. Hein. Après, ça change pas grand-chose. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça pour. J'ai pas eu besoin de mettre une vraie ville et un vrai code postal pour pouvoir Je sais pas si c'est. Non, c'est 4, c'est 5. Donc, il m'a pas fallu Il m'a pas fallu énormément de trucs pour il m'a pas fallu mettre les vraies villes pour pouvoir continuer tout simplement. Donc après voilà, donc là vous mettez, donc là c'est une partie que je vais pas faire, c'est vous mettez votre adresse email tout simplement, vous mettez votre mot de passe, vous faites yes, et après vous serez dans votre nouveau compte tout simplement. Et après avoir été dans votre nouveau compte, je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire tout simplement. On va retourner dans la démo PES tout simplement, et le jeu n'est pas encore fini. Peut-être que le temps que je fasse ce que j'ai dit, peut-être que ce sera fini. Donc après vous allez dans game tout simplement, game démo, et comme par magie FIFA 16 est présent. Ça fait plaisir les gars, comme vous pouvez le voir, j'avais fait pareil pour le PES et je l'ai eu. Et maintenant ce sera FIFA, la démo de FIFA. Et pour vous montrer que la démo de FIFA n'est pas disponible sur un compte français, je vais aller sur mon compte à moi. Je vais aller sur mon compte à moi, donc changer d'utilisateur. Voilà, tout simplement. On va aller sur mon compte à moi et on va aller voir. J'espère que ça va pas faire un bug parce que j'ai un petit problème avec le PlayStation Store, moi. Non, c'est bon, j'ai pas de bug. Donc on va aller dans le jeu, tout simplement.
On va aller dans démo. Et FIFA n'y est pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, FIFA n'est pas là, n'est pas présent. Cette vidéo sera logiquement la sortie sur PS4 et annoncée le 9. Donc, cette vidéo va vous servir jusqu'au 9, je pense. Si elle vous sert jusqu'au 8, ben, au moins elle vous aura servi. Ce sera déjà ça. Et donc, on va aller. Je vais juste vous montrer que c'est pas du fake donc, et que je vais lancer le jeu. Ici, je ne peux pas le lancer parce que c'est pas sur ce compte-là. Je pourrais le lancer à partir du 9 ou du 8. Quand, en tout cas, quand il sera disponible dans ma version française, enfin belge. Et donc, on va se retrouver maintenant. On va retourner sur mon compte Demo PS, tout simplement. Et donc, on se retrouve tout simplement dès que c'est terminé. Et voilà, plus que 10 secondes et on a la démo de ce FIFA 16. Ça fait plaisir, hein, ça fait un moment que je vous la voulais. Et voilà, installation d'application. Et voilà, on va pouvoir démarrer FIFA 16, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à la partager, à liker la vidéo et à la commenter si vous avez eu des problèmes. Et donc, nous, on se retrouve très bientôt pour une très prochaine vidéo, tout simplement. Donc, on va attendre que c'est vraiment la fin, hein, pour bien que vous puissiez voir. Donc, belle image d'intro, hein. Franchement, c'est bien fait, le début de la vidéo. J'aime bien. J'aime plutôt bien pour le moment. Et donc voilà, c'est la démo de FIFA 16. J'espère vous aimez que cette vidéo vous aura plu. Likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. C'était Captain34, prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde. J'ai oublié de vous dire une chose les amis, donc n'hésitez pas, pour les personnes qui n'ont pas encore voté pour ma carrière manager FIFA 16, n'hésitez pas à aller voter, le lien sera de nouveau dans cette description-ci. Donc n'hésitez pas à aller voter pour toutes les équipes que vous appréciez. Vous pouvez voter pour plusieurs équipes. Il y a 20 équipes ou 22, je ne sais plus, ou une trentaine. Et vous pouvez voter pour un maximum d'équipes. Il n'y a pas de max, enfin d'équipe maximum. Si vous voulez voter pour toutes les équipes, vous pouvez. Si vous voulez voter pour 3 équipes préférées, ben, vous pouvez. Donc n'hésitez pas à aller voter. Ça me ferait grand plaisir et ça me donnerait beaucoup plus d'avis, donc n'hésitez pas à aller voter les amis. C'était 4h34, à vous, ciao ciao.